On a reçu un appel de certaines personnes engagées par l'aquarium de Géorgie. Ils ont dit qu'ils venaient de Majorque et qu'ils avaient longuement enquêté parce qu'ils comptaient recruter José Luis Barbero et qu'ils devaient savoir si ces informations étaient vraies. Au départ, la conversation a pris un ton assez intimidant, presque menaçant, pour tout vous dire. Ils ont apporté le rapport rédigé par un expert et qui disait « Cela ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas vrai. Cela a été falsifié. » La première scène de la vidéo a été tournée à environ 200 mètres, depuis un appartement qui se trouve en dehors du parc. Il faut traverser tout le parc, ainsi que pas moins de deux chutes d'eau, l'enclos des pingouins, pour arriver jusqu'à l'amphithéâtre. Le son ne porte pas aussi loin. On est monté sur ce bâtiment nous-mêmes, et on n'entend absolument pas un mot à cet endroit. Cette vidéo a été truquée. Quelqu'un l'a recréée pour raconter l'histoire à sa façon. Nous avons fait cette vidéo nous-mêmes. Et c'était un stagiaire, je crois. Non, l'audio ne correspond pas, je le reconnais. On a fait du copier-coller. Si ça, c'est de la falsification, alors d'accord.